Eh bien, bonjour les amis, on se retrouve justement pour un petit tuto sur l'empalement. Alors, pour tout simplement, pour ceux qui veulent des petites informations, on va enlever le petit onglet. Alors ici, vous voyez, j'ai installé loyauté sur le trident. Alors loyauté, c'est quoi? Tout simplement, c'est que on va viser, admettons, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Hop! On va viser, admettons, là-bas les petits bateaux, on va dire. On va essayer de viser les bateaux. Vous voyez, ça part directement. Oh, ça m'a même pété un bateau. Et ça revient. Comme on va essayer de revoir. Hop, on va essayer de le refaire, tout simplement. Hop. Ensuite, on a impulsion, empalement. Alors, celui-ci, c'est en fait, c'est directement quand on va aller dans l'eau. Vous voyez, hein, vous pouvez pas faire comme justement loyauté. Vous pouvez pas faire clic droit. Hop, vous voyez, on peut pas faire clic droit. Hop, hop, c'est pas mal. On peut en jeter pas mal à la fois. Vous voyez, il revient. Vous voyez, juste en haut, on le voit juste en haut. Hop, vous voyez, juste au-dessus de ma tête, il revient à chaque fois. Loyauté. En fait, ce qui fait que vous le perdrez jamais. Il va tout le temps revenir vers vous, quoi. Alors, on avait dit, on a aussi bien impulsion. Impulsion, on va voir, c'est impulsion. On va aller dans l'eau, puis c'est là que ça va justement. Ça va jouer dans l'eau, quoi. Alors, ici, dans les crafts, on va prendre simplement un trident normal. On va mettre loyauté. Vous voyez, comme ceci. On va installer loyauté. Par contre, je vais vous montrer. Hop, on peut mettre empalement dessus, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Par contre, on ne peut pas mettre impulsion dessus. Loyauté, ça ne marche pas avec, justement, avec ça. Hop, on va reprendre un trident, on va mettre impulsion. Voilà, impulsion et empalement, comme on a juste ici. Bah après, il y en a d'autres, hein. Vous pouvez faire d'autres enchantements aussi, quoi. On va mettre slash NIHT, on va mettre hop, night. On va aller un petit peu, bon, je suis en game mode, évidemment, là, comme vous pouvez constater, je suis en game mode. Hop, on va aller dans l'eau, justement, on va faire un petit tour dans l'eau. Hop, je vais vous montrer, et cette fois-ci, on va sélectionner impulsion empalement. On va se mettre en F5, vous voyez, là, ça fonctionne. Hop, vous voyez, ça vous permet de vous déplacer beaucoup plus vite dans l'eau, quoi. Bon, faire attention, parce qu'ici, il y a pas mal sur le spawn survie, ici. Il y a pas mal de noyés. Ah ouais, pour info, c'est pas assez... Bon, c'est assez difficile d'avoir justement le trident, quoi. De l'avoir réellement, quoi. Sachant que si vous battez, vous battre avec les noyés, il faut quand même bien vous stuffer, parce que moi, on va voir, je vais avoir une armure jams, et je vais mettre en mode normal, mais vous allez voir que je vais très vite me faire assaut, et le nombre de cœurs que, justement, que ça me retire. On va s'éloigner un petit peu, tout simplement, hop. On va aller s'éloigner. Pousse-toi, toi. Chacal. Pareil. Bon, on va voir. Je vais pas... On va se mettre... Attendez. On va enlever simplement le F5. On va se remettre un petit peu normal. Slash GM0. Hop. Pour vous montrer. Vous voyez, j'ai pas mal... Hop. Hop. Faire attention parce qu'il bombarde. Hein. Vous voyez, il bombarde bien. Hein. Vous voyez, je suis en stuff fer. En stuff jams, on va dire. Voilà, ça me retire 4 coeurs par... Et c'est des... Ils assaut, ils one-shot comme des dingues. Vous voyez, comme des oufs. Alors, moi, je vais... Mince, il est où? Le temps qui revient. Bon, je les assaut pas. Hein. Moi, ça m'intéresse pas de les assaut pour l'instant. Bon, on peut, sinon, si... vous voyez, hop. Hop, allez, boum. Logiquement, il faut en mettre 3 ou 4 dans le vent. Parce que, bon, vous voyez, lui, il a loot. C'est parce que son pote derrière, il a one-shot. Il me reste un demi-cœur. Un cœur, quoi, on va dire. Et je vais essayer de... Le... Ah, bien joué, bien joué. Bon, bah voilà, vous voyez, hein, c'est quand même assez... Pour, alors, imaginez-vous, là, que j'ai, on va dire... Bon, je suis revenu au spawn. Là, j'avais une armure stuff jams. Hein. Alors, imaginez-vous, ils m'ont vite assaut en 2-2. On va se remettre slash GM1, on va dire, puis on va faire slash back. Après, pas l'inconvénient, on va dire, ce que je trouve super sympa, on va dire, dans la 1.13, maintenant. Vous voyez... What? Bah, mince, je m'étais mis à... Vous voyez, je suis à peine apparu, je suis mort direct. No stuff, c'était même pas la peine. Oui, pourtant j'ai bien été en game mode, on va dire. Slash back. Et on va se mettre tout de suite en game mode. On va essayer de se mettre en game mode tout de suite. Allez, vite! GM1, c'est bon. C'est bon. Après, ce que je trouve super, franchement, maintenant, on va mettre le jour. Slash day, hop.
Ouais, dans cette version maintenant de l'1.13, ce qui est super, moi je trouve, c'est que maintenant vous pouvez voir les items, ils remontent à la surface. Ça, c'est super parce que le nombre de fois que je pense que bah, vous et moi, on a dû mourir pour essayer de récupérer son stuff tout au fond de l'eau. Vous voyez, hein? Et ça, on peut pas le récupérer. Logiquement, on peut pas les récupérer. Ils vont dépop au bout d'un certain temps. Ils vont dépop. Hop, on va remettre. Je vais remettre mon stuff. Pourtant, j'étais bien stuffé quand même. J'avais de quoi faire. Il me manque un trident. Normalement, j'en avais 4. Il me manque un trident. Où est-ce qu'il est? Hop, hop, hop. Non, il n'est pas là. Et puis, ce que je trouve super, regardez, si jamais vous êtes on va dire en panique, d'un seul coup, vous n'avez plus assez pour. Hop, vous voyez, on peut très vite remonter en surface. C'est super sympa, quoi. Hop, on va descendre. Ouah, vous voyez, hop, on descend super vite. Et puis, on va repartir super rapidement. Il suffit simplement de faire deux coups. Et on est déjà à la surface. Voilà, c'était un petit tuto tout simplement pour quelques infos sur le trident. Moi, j'ai trouvé ça super. Après, ce qui est super, c'est que ouais, franchement, vous allez vous jouez aussi bien sur la map survie, pas spécialement dans l'eau. Puis vous mettez un petit peu potion de vanish et puis vous pouvez assaut vos potes comme ça, justement, faire un petit délire comme ça. C'est ce qu'on avait fait sur le serveur, en fait. C'était super sympa, quoi. Voilà. C'était des petites informations comme ceci. Je vous souhaite une très bonne année, une très 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 bonne année, une très bonne santé. Mais voilà, plein de bonnes choses pour cette année. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Et puis, le serveur sera bientôt disponible pour vous. Allez, ciao, bah, non, c'est ciao, excusez-moi, ciao, ciao.